Malala a quitté le Pakistan comme elle y était entrée, en toute discrétion et entourée d'un important dispositif de sécurité. La jeune lauréate du Nobel de la paix 2014 aura passé 4 jours dans son pays d'origine. Une visite surprise, la première de la jeune pakistanaise depuis que les talibans avaient tenté de la tuer en 2012. Elle vit depuis en exil au Royaume-Uni. Malala Yousafzai, aujourd'hui âgée de 20 ans, est retournée dans sa région natale de la vallée du Swat, une zone dont les talibans ont été chassés en 2009 mais qui reste la cible d'attaques récurrentes. Son retour y a fait l'objet d'éloges, mais aussi de critiques. La principale association d'écoles privées a notamment organisé une journée anti-Malala. Au Pakistan, certains la considèrent en effet comme un agent de l'étranger qui écorne l'image du pays. Engagée très jeune dans la lutte pour le droit des filles à l'éducation, Malala avait reçu une balle dans la tête sur le chemin du retour de l'école. Devenue une icône, elle étudie la politique, la philosophie et l'économie à Oxford, mais dit vouloir retourner vivre au Pakistan au terme de ses études.